mademoiselle Christelle? Oui, monsieur Eric. Eh bien, voilà, mademoiselle Christelle, si j'avais su qu'un jour je vous rencontrerais, eh bien, j'aurais... Qu'est-ce que vous auriez fait, monsieur Eric? Oh, j'aurais fait plein de choses. Quoi, par exemple? Oh, j'aurais été conquérant ou prédateur. Ou... Enfin, quoi qu'il en soit, j'aurais fait fortune. Mais serait-ce que pour avoir le plaisir de la déposer à vos jolis petits pieds, mademoiselle Christelle? Comme vous êtes généreux, monsieur Eric. Mais vous savez, le plus important pour moi, c'est que vous soyez un musclé. C'est vrai, je ne vous déçois pas. Mais non, je suis là. Mademoiselle Christelle, vous êtes tellement belle. Oh, monsieur Eric, vous me faites rougir. Ça n'est pas grave, mademoiselle Christelle, le rouge vous voit si bien. Merci, monsieur Eric. Écoutez, je vais vous préparer un petit déjeuner pour deux, que vous n'êtes pas prête d'oublier, mais pour cela... Il faudra que vous me donniez quelques minutes. Oui, mais ça risque d'être long. Oh. Si on faisait ça avant. Avant, mais vous êtes sûre que... Non, non. Soyez sympa. Maintenant. Ah bon? Ah, mais d'accord. Bon, apparemment, tout est normal chez les musclés. Elle est mignonne, celle-là. Comme vos moustaches sont douces. Vous savez, monsieur Eric, ce qui me ferait vraiment plaisir... Non, non, dites-moi. C'est que vous me signiez mon cahier d'autographe. Votre cahier d'autographe? Mais oui, c'est très important pour moi. Je ne sais pas quoi écrire. Écoutez, je voudrais réfléchir. Il faut que je trouve quelque chose d'original à mettre. Mais non, juste une petite signature. Enfin, plusieurs. J'aimerais tellement avoir une signature de vous. C'est dommage, j'aurais tellement voulu souligner votre beauté. Ne soulignez pas, signez comme d'habitude. Bon, mais écoutez, je n'ai pas de stylo, je vais en chercher un. Attendez, je suis équipée. Équipée, oui, j'avais remarqué. Allez, signez. Bon. Voilà, vous avez votre signature. Encore une. Encore une, mais pourquoi? Mais je vous aime tellement. Bon, allez, bon, signe, et puis après... Chut, ne dites rien. Laissez-moi la surprise. Merci, monsieur Eric. Merci du fond du cœur. Et maintenant... Je suis désolée, je dois partir. Mais mademoiselle Christelle, mais vous m'aviez dit... Un jour, Eric, un jour, je vous le promets. Entrez donc, ma petite Christelle, vous êtes chez vous. Que c'est beau! Moi qui rêvais de venir chez les musclés! Ah oui, c'est vrai qu'ils habitent là aussi. Bon, je vous en prie, asseyez-vous! Oh, mais vous devez mourir de soif, je vais vous chercher à boire. Bougez pas, hein. Et voilà! Rien de tel qu'un petit verre pour rapprocher deux êtres. Mais alors, pourquoi en avoir mis deux sur ce plateau? Oh, vous, ma chère Christelle, vous avez une répartie. Alors, comme ça, je suis votre bassiste préféré. Toujours. Vraiment? Mais oui, j'ai tous vos disques. Je les écoute tout le temps. Enfin, pourquoi vous n'êtes pas venu me dire ça plus tôt? Mais je ne savais pas où vous habitiez. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Enfin, avec un peu de chance. Vous savez, Christelle... Je crois que c'est moi qui ai de la chance. Oh, Rémi. Mais avant, j'aimerais vous demander quelque chose. Mais demandez-moi ce que vous voulez, c'est accepté d'avance. À condition que vous me donniez un baiser. Oh, grand fou, vous l'avez. Encore avec une fille? Tiens, c'est Rémi cette fois-ci. C'est musclé. Mais il me semble que je l'ai déjà vue, celle-là. Bon... Alors, heureuse? Oui, très. Et comme vous êtes mon musclé préféré, je voudrais bien... Vous aimeriez bien que je vous joue un petit morceau avec ma basse? C'est un plaisir. Mais non. Non? Enfin, pas tout de suite. Ah, je sais. Vous voulez que je vous embrasse encore? Si vous voulez, mais... Qu'est-ce que c'est? Mais laissez-moi parler. Voilà, avant que je vous embrasse de nouveau, je voudrais que vous me signiez un autographe. Un autographe? D'accord. Mais si vous voulez, on fait un petit marché. Un marché? Oui.
Un autographe contre un baiser. Grand fou. Bon, allez. D'accord pour trois. Mais avant, les autographes. Bon, je fais pas de dédicace, hein, juste les signatures. Hein. C'est parfait. Ouais. Mais enfin, Christelle et mes baisers, qu'est-ce que vous faites? Mais je ne vous ai pas dit que je vous embrasserai aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. À bientôt. Moi, votre chanteur préféré? Mais c'est très gentil, Christelle. Je vous assure, Bernard, j'ai tous vos disques. Ah, vous avez tous mes disques, bien sûr. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. C'est normal que le son de ma voix vous fasse de l'effet. Bonjour, Minet. Bonjour, Ilgege. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part, non? Non, je ne crois pas. Dites, Ilgege, vous n'allez pas être en retard pour votre cours de sémantique? Non, non, j'ai tout mon temps. Ah bon? Mademoiselle Catherine, vous n'aviez pas rendez-vous avec mademoiselle Catherine? Eh bien non, pas aujourd'hui. Vous pourriez nous laisser un peu seuls, là? C'est ça que vous vouliez, me bien surminer. D'ailleurs, je vais aller dans la cuisine. À tout à l'heure. J'ai cru que nous n'allions pas réussir à nous débarrasser d'elle. Alors, vous me parliez de l'effet que vous fait ma voix. Oh oui, beaucoup d'effets. Et vous savez que derrière cette voix, il y a un cœur. Et que ce cœur bat depuis un petit moment déjà pour vous. Je n'en doute pas. Mais vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir, Minet? Non, mais dites-le-moi. C'est votre signature. Quoi? Juste un autographe? Mais oui, votre signature reflète votre image. C'est très important pour moi. Ah ben, je vais la faire grande, alors. Ah non, surtout pas. Votre signature, comme d'habitude. Bon, ben d'accord, je vais vous faire plaisir. Vêtements 3, je suis très collectionneuse. Christelle! Voilà. C'est fait! Et si nous passions à autre chose maintenant? Ça y est, ça me revient. Cette fille. Bonjour, Lolly chérie. Bernard, qui est sa fille? Justement, je m'en allais. Taisez-vous, vous! C'est Bernard qui va répondre. Et je me demande ce qu'il va trouver pour m'expliquer la présence de sa maîtresse ici. Mais ce n'est pas ma maîtresse, Vali. Cette jeune femme est collectionneuse. Ah, oui! Et en quoi consiste votre collection, mademoiselle? Les hommes déjà fiancés? Pas du tout, je vous assure. Elle voulait juste un autographe. Ah, et elle ne pouvait pas le demander à la sortie d'un concert, comme le font tous les autres chasseurs d'autographes. Attendez, Valériane, cette fille, elle dit la vérité, parce que je l'ai vue tout à l'heure avec Eric et Rémi, et hier, elle était avec René et Framboisier. Quoi? Eric, Rémi, René, Framboisier? Oui. Bon, je vous laisse. Au revoir. Bon, Bernard, pour une fois, je crois que vous dites vrai. Donc, je pardonne. Embrassez-moi, Bernard. Mais dites donc, le musclé, vous ne trouvez pas ça bizarre? Quoi? Bon, quoi? Pourquoi cette fille s'est-elle donné tant de mal pour avoir ses autographes alors qu'il suffisait de vous les demander comme le font toutes les jeunes filles que vous rencontrez partout? Ah, mais c'est vrai, ça. Elle a raison, mon Minet. Pourquoi? J'y vais. Mais c'est encore vous? Christelle! Bonjour, messieurs. Voilà, madame Tifilovitch, vous êtes chez vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je ne raconte rien. Surtout pas aux blondasses de votre espèce. Je suis là pour que madame Tifilovitch voie et signe l'état des lieux. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Si vous voulez signer... Oui, c'est tellement merveilleux. J'en avais toujours rêvé. Je suis comblée. Ah, mais enfin, mademoiselle Christelle, qu'est-ce que vous racontez? Mais taisez-vous, je suis en train de travailler. Signez là et là. Attendez, là, mais qu'est-ce qu'elle est en train de signer, là? L'acte de vente de votre maison, voyons. Mais notre maison n'est pas à vendre. Comment ça, pas à vendre? Ne vous inquiétez pas, Tania.
Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Vous avez bien vu que tout était en règle tout à l'heure. Effectivement, ma chère Christelle. Mais enfin, mais comment ça, tout est en règle? Oui, vous ne vous souvenez pas que vous m'avez tous signé un acte de vente? Quoi? Toutes les preuves sont ici. Et voilà, je viens de revendre à un très bon prix, d'ailleurs, tout l'ensemble à Tania. Alors maintenant, je vous laisse. À bientôt, Tania. Comme c'est bon d'être dans sa maison. Un homme comme vous, Bernard, si intelligent, vous laissez manipuler par la première intrigante venue. Non, mais... Mais on ne peut rien faire. Hélas non, Ilgueugue. On a tout vérifié. Elle a nos 5 signatures. Tout est légal. On a consulté un avocat. Il a dit qu'on ne pouvait rien faire du tout. Et nous avons signé sans réfléchir, quoi. Ouais, j'ai eu beau dire que je voyais mal. Ça ne servait à rien. Mais que se passe-t-il ici? Un peu de patience, madame. Ils vont partir. On finit nos bagages. Ouais. Moi, ça y est, j'ai toutes mes affaires. Même mon nounours. Et moi, madame, il faut que j'aille encore empaqueter tout ce que j'ai dans ma cuisine. Ils vont faire vite, vous savez. Mais il n'en est pas question. Vous restez ici. Nous restons? Ah, mais alors c'était une blague. Je me disais aussi. Oh, ben c'est une blague pour la télé, c'est ça? Les garçons, c'était super bien fait. Où sont les caméras? Et vous, sortez de mon canapé. J'ai acheté cette maison complète. Alors? Oui, madame, c'est pour ça que nous partons. Ah, mais vous n'avez pas compris, jeune homme. La maison, ça veut dire les murs, les meubles et les musclés. Et les musclés? Mais parfaitement. Regardez. Ça a la raison, c'est écrit en tout petit au bas de la page, regardez. Mon Dieu! Vous ne pouvez pas quitter cette maison sans mon accord. Donc, vous restez. Bon, je vais aller choisir ma chambre. Pendant ce temps, nettoyez le salon. Vous qui êtes costaud, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Eric. Oh, alors, bon. Eric, portez mes bagages. Oui, madame. Appelez-moi maîtresse. C'est plus convivial. Mais ce n'est pas possible! Vous êtes des larves! Si c'est écrit sur le contrat, Valérie chérie. Mais la terre est civilisée, surtout votre pays. Ce n'est pas possible que vous laissiez faire ça. Mais on ne peut rien faire, Ilgueugue. Sinon, on aurait agi depuis longtemps. Depuis très longtemps. Oh. Attendez. J'ai une idée. Ah, bah ça, ce n'est pas Bernard qui trouverait quelque chose. Ilgueugue, et avec votre synthé, vous ne pourriez pas faire... Mais oui, Ilgueugue, mais non, je n'y avais pas pensé. Mais... Vous allez nous sortir de là. C'est vrai. Oh, si vous pouviez faire quelque chose. Alors là, je crois que je... Enfin, je pense. Non, je suis certaine que nous serions très amis. Toi, d'intervenir pour modifier des conflits avec les lois terriennes. Sinon, il y a très longtemps que j'aurais stoppé les guerres et les machinations de votre planète. Vraiment, les musclés, je suis très très triste. Ah, vous êtes revenu, ben, t'as mieux. Quand ça tombe mieux? Parce que tout simplement, je vais attaquer le repas du soir. Et donc, vous allez pouvoir vous consacrer au ménage du salon. Ah oui, le ménage. Bon, d'accord. Bon, bah, moi, je m'occupe du haut des meubles. Et puis, toi, tu fais. Toi, t'as qu'à faire en dessous, tiens. T'as pas besoin de te baisser. Ah, il me semblait bien que j'avais entendu rire. Repos, monsieur, repos. Maîtresse, ce sont Minet et Rémi qui rentrent du ravitaillement.
Je vois bien, mon ami, je vois bien. Je voudrais bien savoir combien la maîtresse a de gens à dîner ce soir. Très bien compté, mon ami. Vous trois, les deux autres et moi, ça fait six, non? Bien. Il y a Valériane dans la cuisine et elle voudrait bien rester dîner ce soir. Quoi? La petite amie d'un domestique qui vient me donner des consignes? Allez la chercher. Et profitez-en pour l'amener à Grande Blonde aussi. Rassemblement général! Mais qu'est-ce qui se passe? On était en train d'astiquer tout le premier étage. Et alors? C'est fait, madame. Je vous ai dit de m'appeler maîtresse. C'est fait, madame maîtresse. Mais vous mettez un temps à vous rassembler. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais on a suivi vos ordres. Et on a fait des courses. Et on a fait le ménage. Moi, je vous prépare une de mes meilleures recettes. Hein. Ce n'est pas cela qui me dérange. C'est la présence d'intruses sous mon toit. C'est moi que vous traitez d'intruses? Moi aussi, sans doute. Vous deux, je veux que vous disparaissiez. Vous perturbez mes domestiques. Ferme, mais réagissez. Cette femme est en train de faire de vous son esclave. Silence, mademoiselle! Ou je vous fais jeter dehors par mes gens. Oh, mais on n'a jamais parlé comme ça. Mais attendez, Valériane. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de partir. La loi est la loi. Et cette dame, elle est chez elle maintenant. Elle fait ce qu'elle veut. Exactement, mademoiselle. Je suis contente de voir que vous avez compris. Alors, soyez gentille. Et allez plier vos bagages. Bien, madame. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas d'affaires? Mais si. Alors, allez les chercher et disparaissez. Mais c'est Bernard, mon affaire! Je ne vivrai pas sans mon Minet. Oh. Oh. Ben, ça, c'est gentil, Valérie chérie. Très bien. Vous pouvez rester. Oh, c'est merveilleux! Oh, je suis gênée. Je ne sais pas quoi dire. Mais vous savez, Bernard compte tellement pour moi. J'espère seulement que cela ne vous distraira pas trop dans votre travail. Mon travail? Oui. Je veux bien que vous restiez, mais comme femme de chambre. C'est à prendre ou à laisser. Ah. Ah oui. J'en peux plus. Et en plus, elle mange comme 10. Et elle change sans arrêt de vêtements. Ça va faire une de ses lessives. Moi, ça va. J'ai tout fini pour aujourd'hui. Moi aussi, mais j'ai peur. Et pourquoi tu dis ça? Et à 5 pour une, on devrait y arriver. Ouais, ouais, mais ouais. J'ai peur de Valériane. Bernard! Ah! Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il y a, Valé chérie? Vous croyez que c'est agréable de savonner le dos de cette bonne femme? Vous croyez qu'une jeune fille de bonne famille comme moi accepte cette humiliation pour le plaisir? Mais... Si j'ai accepté Bernard, c'est uniquement par amour pour vous. Et pour me remercier, vous restez là, vous prélassez sur ce canapé. Mais vous savez, je viens juste de finir. Et je me reposais quelques instants. Mais si vous voulez, maintenant, je vais vous remplacer. Bernard, vous êtes un... Celle-là, vous ne l'aurez pas volée. Mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ça tire! Si vous croyez que je n'ai pas saisi votre petit manège pour voir une femme nue et votre patronne en plus. Oh! Arrêtez! Regardez, Ilgueux va partir! Voilà. Mais Ilgueux, nous sommes si tristes! Mais on ne va pas vous laisser partir, nous! Non, mais si on faisait grève de la faim, oui. Hein? Allons, les musclés, ne soyez pas tristes. C'est la fin d'une belle histoire, c'est tout. Oh. Valériane! Valériane! Venez immédiatement, ma fille. Je veux sortir de mon bain. Désolée, Ilgueux. J'espère qu'on se reverra. Alors, Valériane, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, j'arrive, madame. Ilgueux, enfin, vous n'auriez pas une solution? Bah oui, peut-être qu'avec un petit coup de synthé, là, vite fait. Hop, hop.
Mais je vous ai déjà dit, les musclés, je ne peux pas intervenir dans un conflit avec des lois terriennes. Mais oui, mais enfin, ça vous gêne, vous aussi. Où allez-vous aller? Je ne sais pas. Mais pour ça, mais pourtant, je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose. Oui, c'est vrai. D'accord, il y a la loi terrienne, mais elles ont triché, elles aussi, pour avoir l'appartement. Évidemment, les musclés, vous avez raison. Mais cela ne m'autorise pas d'aller contre les lois. Et Gus? Hein, Gus? Qu'est-ce qu'il va devenir sans nous? Mais attendez. Et si j'ai triché, moi aussi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, cette femme, elle a bien triché pour avoir votre appartement. Et si j'ai triché pour vous le rendre? Au secours! À l'aide! Il y a un vieil domestique dans ma chambre! Oh! Horreur! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne sais pas ce qu'elle a. J'étais en train de la coiffer et elle... Oh. Mais qui êtes-vous, vous? Et où est Bernard? Mais... Je suis là, Valéria. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Je me sens encore plus vieux. Moi, j'ai l'impression d'avoir au moins 110 ans. Non, 109 seulement. Mon pauvre dos. Eh bien, ce n'est pas si mal. Mais je comprends tout. C'est une escroquerie. Mademoiselle, on vous l'avait bien dit. On nous a estorqué notre signature. C'est vrai. Je me moque de vos affaires. Il s'agit de moi. J'ai acheté une maison en parfait état, avec des domestiques jeunes et pas trop mal. Et je me retrouve avec une masure et des serviteurs croulants. Tout a été maquillé pour tenir un petit moment. Mais tout était faux! Cette grisère m'a bien eue. Mais je vais lui faire un procès. Vous! Allez m'appeler maître Vapfer! C'est mon avocat! Ma maîtresse. Attendez! Mais vous êtes trop lent! Je vais y aller moi-même. Ça sera plus rapide! Allez! Allez! Fini! Ah, on l'a bien eu, les copains! Tiens, sec! Bravo, il gagne! On récupère la maison et Valériane. Je ne vois plus rien. Mes lunettes ne sont plus à ma vue. Si vous voulez bien nous rendre notre âge normal, je vais vous préparer un bon festin pour fêter ça. Bien sûr, le musclé. Attention. Oh, zut. Le bouton. Il est encore coincé.